Bonjour à toutes et à tous, c'est le Père Noël. Oui, bonjour, vous êtes en compagnie de Pinkfold, où je viens de découvrir, comme vous le voyez à l'écran, les costumes faits par les éditeurs, ou un petit contenu bonus fait pour Escape Plane, où on découvre l'île et Largue en Père Noël et en Reine. C'est assez original, c'est assez surprenant, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et donc après un petit moment donc, où j'avais pas continué, étant donné que j'étais plus sur Alien Isolation en train de mettre tout ça en forme, là je suis à jour en attendant Champac. Et donc du coup, comme je suis à jour, je peux continuer Escape Plane. Donc j'espère que tout le monde va bien en cette période de Noël, en cette période de fin d'année. Et que vous êtes prêts pour la suite de cette aventure où je vais découvrir ce qui m'attend, puisque je n'ai même pas essayé la suite en offline, si je puis dire. Donc on va bien voir, mais en tout cas déjà surpris, ils sont assez sympas, les costumes un peu glauques, surtout pour Largue. Donc bon, on va voir ce que ça va donner, quoi. Tant que je me remette dans le bain. Comment ça se passe déjà? J'ai un peu perdu. J'ai un petit peu. Putain. Ah d'accord. Alors, il est en train de me péter une pile le lead. Et voilà, et là je me pète la gueule, donc ça démarre bien. Bonjour, c'est le Père Noël. C'est le Père Noël. Oula, j'ai la voix un peu enrouée, excusez-moi, cher viewer. C'est dégueulasse. Bon, on va y arriver. Donc ouais, j'ai vu que d'ailleurs les deux premières vidéos d'Escape Plane ont fait pas mal de vues. Donc je vous remercie, j'espère en tout cas que ça vous plaît, mais ça fait quand même, ça fait déjà plaisir. C'est surtout chaud. Hein. Putain de bidon, ils vont pas nous emmerder en plus. Alors, d'accord, on va y arriver. Alors je pense qu'en fait, c'est vraiment surprenant. Ces costumes, je pensais à tout. Alors, vas-y. Oula. Il y a un enculé là. Merci. Là. Non. Tu arrêtes là. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? C'est pas la peine de me regarder comme ça. Oh putain, t'es sérieux là? Ah, je dois recommencer. Rends-toi dans le menu pause pour passer. Non, je m'en fous. Alors, on vous propose des niveaux, mais vous pouvez les passer si c'est trop dur. Il faudra m'expliquer l'intérêt quand même. Mis à part. Déjà, bon. Là, j'imagine que... Ah bah... D'accord. Ok, oui, parce qu'en fait, faire passer Largue sur les tonneaux avec la vitesse où il va...
Ça me paraissait un peu dur. Bon, bah nickel. Et en plus, on a 3 étoiles. Ah oui, monsieur, on a 3 étoiles. Et on continue. Oui. Ah, là, je suis tout seul. Ah, une petite musique sympa. On est vraiment toujours dans ce contexte qui m'avait manqué d'ailleurs, qui est vraiment, vraiment original. Mais allez! Ah ouais, et voilà. Ah, c'est vrai, c'est excellent. Allez! But! Voilà. 39 secondes pour ça. Ah putain, c'est vraiment des ennemis avec les pincettes ou quoi. Et où tu vas? Qu'est-ce que c'est? D'accord. Ah d'accord, donc en fait avec rond, on peut... passé ou pas là? What the fuck? Avec la petite musique d'ambulance. Et là je vais éclater. C'est original. Je me demande si je suis pas... Pourquoi je suis revenu au point de départ là où je rêve? Viens la ligne. Excusez-moi, je parle pas de... Et là, je... Ah non, putain, j'ai de la chance. Avec le public qui soude ma gueule. De toute façon, ça va prendre 6 solutions. Allez. En fait, j'étais pas passé dans le bon truc. À prendre avec des pincettes, bien sûr. Oh putain. Ça reste un jeu quand même ovni, mais j'aime beaucoup, franchement. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, mais... C'est franchement excellent. Je sais pas par contre la durée de vie. Mais... Je pense pas que ça doit. Allez! Tu t'écrases comme une merde! On ne devrait pas tarder à arriver à la fin du quart d'heure. Oh, on va faire quelques petits épisodes là. Bon. Pas trop tard non plus, mais en tout cas, avant que la vidéo coupe, je vous donne rendez-vous tout de suite après pour l'épisode. Alors, il y aura un épisode 3 bis, puisqu'il y a une petite session bon, de 3 minutes que vous aurez. Donc, là, ce sera se retrouver pour l'épisode 5. Thank you.
Ça fait chaud. Oui, oui. Je suis ici. Donc, dans tous les cas... Ah, mais c'est chaud parce qu'en fait, en fonction, il s'arrête pas. Enfin, si, justement, il s'arrête, pardon, c'est que c'est dans le truc. Il s'arrête après propulsion et du coup il rebondit encore étant donné qu'il est gonflé, donc il faut trouver vraiment les bons timings. Ça c'est chaud. Bah oui, mais je veux bien, mais... Comment veux-tu? Ils vont arrêter de se marrer parce que... Je commence à aller, hein? Oh putain. Le renne, il a trop bouffé. Il en peut plus! Oui, bah merci, je sais ça. D'accord. Bon, bah j'ai encore d'apprendre un truc. En dirigeant la manette, on peut faire tourner. Oui, bah évidemment, ça change l'orientation du truc. Voilà, c'est pas... Non, merci. Ce serait bien de terminer ça avant la fin de la vidéo. Oh putain, quel con! Oh non, 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 putain, je vais devoir tout le monde taper, c'est vrai. Enculé. Je pense qu'il a peut-être pas une durée de vie énorme, je sais pas. Mais je pense que je vais contribuer à ce que la durée de vie soit plus grande. Étant donné la vitesse où je vais. Oui, non mais j'ai compris ça. Allez. Voilà. Bon alors, je dois passer cette fois ici. Putain, c'est quand même pas compliqué. Allez. Gonfle-toi d'hélium. N'importe quoi. Non, je ne veux pas passer le niveau, tu m'emmerdes. Ça a l'air tout simple comme ça, mais je peux vous dire que c'est pas évident. J'oriente la manette. Allez. Ah putain, sérieux. Sérieusement. Oui. Alors, je sais pas ce qu'il est en train, ce qu'il fout l'argue. Allez. Donc il faut gérer en bougeant la manette et en même temps incliner. Pas l'air con. Non, non, non. Ça va, ça va, ça va. Mais combien de temps, ça doit être la question que vous me demandez, combien de temps vais-je
maître, pour passer ce niveau.